Salut, salut les amis, c'est Licoy. Et ah pardon. Je suis en train de lire. Quelle belle entrée. Ah, magnifique. Donc voilà, Licoy et Rilchan. Voilà. Donc pour la suite, la deuxième de Dragon Quest 8. Alors, bah, précédemment, on a fait le début du jeu et on s'est amusé à fouiller la toute première ville du jeu, Lontania. On est à la recherche de Maître Rylus. On a aussi appris qu'il y avait eu un incendie il y a pas longtemps. Et donc, on va continuer nos recherches. Et il y a aussi le prêtre qui avait dit un truc du genre... Oh, vous cherchez Rylus ? Oh là 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 là, barrez-vous vite ! Exactement. Quelle égare ! Quelque chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, Voilà. Ici, il y a un coffre qui contient quelque chose de très utile pour Licoy, un bouclier de cuir. Alors, le bouclier de cuir, on pourrait aussi l'équiper à Yangus, histoire de maximiser sa défense. Mais le couvercle tonneau ne peut être équipé que par Yangus. Donc autant lui laisser ça et mettre le bouclier à Licoy. Histoire qu'il ait... Ouais, j'ai pas mis m'équiper maintenant, trop fort. Équipé, voilà. Donc ça me donne, Karak, défense 15, 17, attaque 16, 18. Ouais bon, bah c'est toujours Yangus le physique, quoi. Et donc on va remonter. Et donc notre prochaine étape va être la taverne. Et vous allez enfin découvrir le nom de ma petite souris qui se trouve dans ma poche. Bonjour. Petite souris. Alors, bon, bah, ça c'est débourré, faut pas chercher. Et c'est toi qui me. Certains hommes vont être contents. Ouais, j'adore voir de nouvelles têtes. Vous êtes pas du coin, dites-moi. Tu veux pas que je fasse la voix plutôt ? Vas-y, vas-y. Alors, cette petite créature dans votre poche, c'est votre animal de compagnie ? Il est adorable. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Munchy. Munchy ? Munchy, un joli nom pour une jolie petite bête. Eh bien, Munchy, amuse-toi bien ici. Donc voilà. Donc le petit Munchy, alors il est pas là pour faire beau. Il aura une certaine utilité plus tard. Pour l'instant, non. Parce qu'on peut même pas combattre avec. Hein. Assez rapidement. T'inquiète pas. Ça viendra. Il sera très utile en combat par moment et hors combat aussi. J'expliquerai ça au bon moment. C'est en combat. Il va rentrer dans le pantalon des autres. What? Bonjour, vous cherchez quelqu'un ? Ouais. Maître Rylus, alors, vous n'êtes pas au courant ? Maître Rylus est mort dans l'incendie l'autre jour. Entre nous, je crois qu'il a été assassiné en fait. J'aurais pas dû dire ça. Oubliez que je vous en ai parlé. Aha ! C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas, mec. Et donc là, on a une petite cinématique doublée, donc... Voilà. Haven't you had enough, Mr. Calderasha, sir ? I'm sorry, but I've got a business to run. This haphazard fortune-telling of yours is costing me a fortune in free drinks. What? My fortune-telling? Haphazard? Are you a complete fool? Let me tell you something for free. All fortune-telling is haphazard. What do you expect? Anyway, so what if I saw? So what if I foretold the fire? If I tried to stop it, then what? It would only have led to another disaster. That's what. I'm sorry, Mr. Calderasha, sir. I don't follow. If you're saying you knew about the fire, shouldn't you at least have warned Master Rylus? Yes. Poor Rylus. How many times I argued with the old man. I cannot believe he's gone. Et donc voilà. Maître Rylus est mort dans l'incendie. Un peu plus à savoir. Je suis sûr qu'il y a un truc entre ces deux-là. Je le sens gros comme un chat. Donc on va lui parler. Hein? Graou. Passons. Encore une fois, c'est doublé.
What? What is it? You! Come, show your face to the great Calderasha. Yes, yes. Monsieur, vous me faites peur. Sauvez! Quick, quick! Everyone come quick! There's a monster in town! Merde! Oh merde alors! Just come and see! The whole town's gone crazy! Bon ben voilà, tu me feras plus peur, moi je me casse, hein. Au revoir. Donc il y a un monstre en ville. Et en tant que grand héros, on est ben en fonce. Non, moi je reste là à la taverne, hein. Je discute avec la dame, oui. Que viens ici. Donc l'escalier principal est bloqué, donc on va passer par un petit détour ici. Et donc on va rapidement débloquer une nouvelle cinématique. Et nous allons découvrir l'identité du monstre. Déjà, vous avez une petite idée là-bas? Qui c'est qui est là-bas? Qui c'est? Eh ben c'est notre bon roi Todd. Eh ben on a intérêt à aller l'aider. Donc là encore, ça va être doublé. Il y en a pas mal qui sont doublés quand même, hein. Les principales, ouais. What the? This ain't good, Gav. Come on. Ouais, t'as raison. On se dépêche. Look lively. Allez, c'est parti. Oh, he looked at me. Oh, it's hideous. Get out! Get out, monster! You're not welcome here! That was right on the... Ça, c'est beau. Où c'est vous? Bande de tarés. Allez, on se casse. Ils sont méchants. Ouais. C'est fou, on a été mis à la porte de la première ville, quoi. Ça commence bien, quoi. Donc là, faut attendre un peu. Voilà. Well, that was a fine reception. J'avoue. Do they realize who I am? Judging a book by its cover, don't they know it's what's inside that counts? Yeah, you can say that again. So then, did you manage to find Master Rylus? Pas vraiment, en fait. What? He's dead? Oh, no, no, no! Well, I suppose there's no point crying over spilt milk. It's Dulmagus we're after. He's the one who cursed the princess and I, after all. He's the one who made us look so ridiculous. I had hoped Rylus might be able to help us locate him. But it seems we'll just have to track Dulmagus down by ourselves. With Rylus gone, we have nothing further to gain from staying here. Let's be on our way. Wait. Hmm? Please wait. Bonjour. I'm sorry to come running after you like this. It's just that I wanted to ask you a favor. Non. Are you not afraid of me, young lady? I dreamt about you. Ça devient de plus en plus bizarre, ce truc. Oula. Oula. I dreamt that some people came to town with a strange creature. It was sort of halfway between a human and a monster. And I dreamt that they could make wishes come true. Ah. On n'est pas des génies, hein. Vous avez trop à vœux, ma chère. Un par personne, on compte pas le cheval. Strange creature. Are you referring to me? Ah, ça, ça éclate sur Angus.
toute façon, ces deux-là, ils arrêtent pas de se vanner, donc ça, ça risque d'être assez marrant dans le jeu d'ailleurs. I'm so sorry. I didn't mean to be rude. Ouais. Not to worry. I've had worse things said to me today. You know, you remind me of my Medea. You're about the same age. Youngus, ton doigt. Anyway, you say you had a dream about me. Most peculiar. I'm sorry. I haven't even introduced myself. I'm Valentina, daughter of the great fortune teller Caldarasha. If you could just come to my house, I'll explain everything there. Okay. It's by the well, at the far end of town. I'll be waiting for you. Attention. What was she rabbiting on about? Trop dans pleine crise d'épilepsie. Oh, Youngbiz, voilà, qu'est-ce qu'il raconte chez moi? Ouais, c'est vrai que ça, c'est... Moi, complètement dubitatif derrière. C'est beau, c'est beau. Et attention, le roi trône, c'est parti. Magnificent. J'adore quand il fait ça. Quand t'entendras la voix, tu comprendras. Oh la vache, je veux entendre. She wasn't afraid to look at me at all, not one bit. Oh, she reminds me of my Medea. We must give this young girl a helping hand. Right then, my boy. Go and find the house by the well and see what it is she wants. Hmm? Me? I'll wait here with the princess. We don't want to cause any more of a stir. Sage décision. Ouais, bon, c'est une excuse bon, pour dire on va rien branler de la journée, quoi. De la nuit. De la nuit, ouais. Donc voilà, on reprend le contrôle et ben on va aller vers la maison près du puits, celle qui était verrouillée donc que je vous ai dit dans l'épisode précédent. Donc la première étape sera de fouiller la baraque avant d'avancer un peu. Non, je crois que j'avais pas pété ce truc. Oh bah ben voilà. Comme quoi hein. Allez. Bonjour. Y'a quelqu'un? Oula. Elle dort. Elle dort déjà. Ok. Attends, tu me dis de venir, petite horde. Non mais calme-toi, laisse-la. Et on va en profiter pour fouiller. Non. Que dalle. 4 pièces d'or. Putain, ils sont riches. 7 pièces d'or. Oh, ça fait 11. Oh, ils sont trop riches. Je suis plus riche que vous, j'en ai 86. En même temps, tu viens de leur piquer leur seule fortune. Ouais. Donc il s'est défié. Je sais, je sais. En plus il approuve. Donc voilà. Et donc on va aller lui parler, enfin la réveiller. Coucou. Donc, nouvelle synoptique. Donc encore doublé. Bonjour. Ah, you came. Ben ouais. Pas vraiment le choix en fait. On est gentil. So sorry, I must have drifted off. How rude of me. I wanted to ask you a favor about this crystal ball. Sorry, I'm getting ahead of myself. Perhaps I should start from the beginning? Voilà, ça c'est mieux, oui. Allez, explique. Of course. Let me explain. Je suis pas devin, moi. My father, Caldarasha, was once a really famous fortune teller. Ah, j'avais oublié, je dis que je suis pas devin, mais son père en est un. Oups. Lost treasure, missing people. There was nothing the great Caldarasha couldn't help people with. But then one day, he lost his powers. All of a sudden, nothing he foretold turned out to be true anymore. It's probably because he stopped using a real crystal ball. This glass ball isn't... Valentina, what is going on here? Pas lui! How many times have I told you not to touch my crystal ball? What? Aren't you that boy from the pub? What brings you here? Ah, never mind. I do not know what my daughter has asked you, but you can forget it. I do not need your help. I am fine as I am.
Il a encore quelques pouvoirs, il sait que c'est pour lui. I am going to bed. Valentina, say your farewells and show our... Je vais leur accompagner, il est juste à la porte, c'est bon. Au revoir, monsieur. Au revoir, Bonnie. Et il est toujours comme ça, ton père. But whatever he says, he's the one who's really suffering since he lost his powers. That's why I wanted to ask you this favor. Can you find him a crystal ball? One that's big enough to bring back his powers? Bah écoute, c'est pas comme si ça se trouvait partout non plus, hein. Bon, on essaye. Mais bon, vu que le roi m'a demandé de t'aider, bah, on va mettre oui, hein. Really? You will? Oh, this is exactly how it all happened in my dream. So far, everything's come true. Comment ça, jusque-là? Je veux savoir la suite. I also dreamt that there's a crystal ball hidden deep inside the cave, under the big waterfall to the south of town. D'accord. I suppose only the daughter of the great Kaldarasha could know a thing like that. Bah c'est sûr que c'est pas moi qui allais le savoir. Ouais, j'avoue. N'empêche, je viens de réfléchir à un truc. Tant que j'ai pas mon propre perso attitré dont tu m'avais parlé, là on dirait que le héros est un peu schizophrène. Ah non, c'est plus fun. Voilà, tiens, regarde. Bonjour. Viens dire bonjour aux gens qui nous regardent. Coucou. Pouf. Ah, je suis un fantôme. Coucou. Bref, allez. Alors, si on appuie sur Select, on a un résumé de nos combats, donc. Je vais en profiter pour montrer ça. Et c'est le roi Trod qui nous donne tout ça. Ne te laisse pas abuser par ma petite taille, car je pourrais te donner de précieux conseils en matière de combat. Petit mais puissant. Skip. Viens me voir de temps en temps, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Donc là, on peut voir les monstres vaincus, les objets qu'on a à dropper, donc. Mais ça, on verra plus tard, hein. Pour l'instant, on a un combat. Voilà. Et si on appuie sur Start, on peut parler à nos coéquipiers. Tadam! Bon, pour l'instant, j'en ai qu'un, mais bon. Bon, c'est ce qu'il nous reste à faire. Très bien d'aller raconter tout ça au vieux Schnock, hein. Eh ben. Je suis bien claqué. Je croyais qu'en abandonnant la vie de bandit, je pourrais avoir des horaires un peu plus décents. Mais la vie rangée me semble pas meilleure de ce côté-là. Enfin, c'est toi qui décides, chef, hein. Exactement, c'est moi qui décide, donc tu la fermes et tu me suis. Et bam! Allez, donc, comme on nous a dit, il faut aller raconter tout ça au vieux machin. Vieux machin vert. Donc, on peut utiliser que la porte qui se trouve ici. Qui est... Parce que la porte principale qui se trouve là-bas est bloquée pour l'instant par quelqu'un à cause de ce qui s'est passé avec le roi. Donc, on va passer par là. Donc la nouvelle cinématique doublée. I see. Magnificent. Such devotion to her father. I'm impressed. Just how a daughter should be. On ne fait plus jamais ça. And if this Kaldarasha gets his powers back, there's nothing he can't find, am I right? Then we'll kill two birds with one stone. If everything goes according to plan, we'll find out where that hateful Dulmagus is. C'est the time's getting on. Mouais. Medea and I will stay outside. That's the last time we set foot in a barbaric town like this. But you should spend the night at the inn and rest well, so that you're ready to take on the world tomorrow. In the morning, we leave for the waterfall cave. D'accord. Bonne nuit. Donc voilà. Le petit jingle quand on dort à l'auberge. Bonjour. Vous avez bien dormi? Moi, ça va.
Il faisait sombre. J'ai pu me tromper, mais je crois que le vieil homme qui vous accompagnait a dormi dans son chariot à l'extérieur de la ville. Ah, en voilà un qui sait pas que c'est un monstre. Tant mieux. Quoi qu'il en soit, faites bon voyage. Ben, merci. Donc voilà, c'était une nuit gratuite à l'auberge. Hein, parce que bien sûr, après, faudra payer. Et donc, ben, on va pas partir tout de suite. Donc, on va se laisser là. Je vais aller sauvegarder. Et je vais vous expliquer vite fait le programme de la prochaine vidéo. Donc, on pourra... Déjà, on va pouvoir reprendre la sortie principale qui se trouve là. Et on va commencer, donc... la caverne où on doit aller, caverne de la cascade, est un endroit qui est assez dangereux, donc au niveau 1, on va éviter. Il est conseillé de le faire vers le niveau 5 ou 6. Mais je ne vais pas faire que de l'entraînement hors cam. Au début, donc je vais peut-être faire un peu d'entraînement comme ça, jusqu'au peut-être level 2 ou 3. Mais et ensuite, je vous montrerai l'emplacement des coffres qui se trouvent autour de la ville. Donc voilà, donc la prochaine vidéo sera surtout une vidéo de recherche de coffres et de combat, enfin d'entraînement quoi. Donc pour ceux qui veulent connaître l'emplacement de tout, à la prochaine vidéo. Dans la description de chaque vidéo, je dirai s'il y a quelque chose par rapport à l'histoire ou pas. Donc les vidéos recherche de coffres, pour ceux qui veulent pas regarder, parce que ça pourra pas plaire à tout le monde forcément. On se retrouvera un peu plus tard, quoi. Voilà. On va aller sauvegarder, et puis... On va se laisser là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vraiment entamé le jeu sérieusement. Début de l'histoire et tout. Donc, bonjour, monsieur. Confession. Voilà, on va sauvegarder. Sélectionner une fente pour mémoire carte. Oui, monsieur. C'est quoi une memory card? ils sont en avance sur la technologie quand même. Hein. dans ce cas, je dois écraser Nicole. Encore! Ferme-moi à chaque fois! Bon, je pense pas que je la ferai à chaque fois hein, aussi, ça risque de devenir lourd à force. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Dragon Quest 8. Salut, salut! Salut!